Salut, c'est Frédéric. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes favoris make-up de cet été. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo beauté sur ma chaîne, mais là j'ai vraiment des coups de cœur à vous présenter et je me suis dit il faut absolument que je vous en parle. Certainement que l'une ou l'autre d'entre vous sera intéressée par ce que je vais vous montrer. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, et puis en plus je vous montre ça, comment je me l'applique et tout ça, donc je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je vais commencer vraiment par mes deux chouchous de cet été, et je pense que je dirais même de cette année. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc, ce sont les baumes de chez Rimmel. Donc ce sont les Lasting Pure Color Rush. Moi j'en ai deux, j'ai un rose et un rouge on va dire. Et ils sont vraiment très très bien. Pourquoi? Parce que en fait ce sont plus des baumes que des rouges à lèvres. Donc ça se présente comme ça. Vous le dévissez, voilà, ici, et vous pouvez le ranger. Il est sous forme d'un crayon, donc il est plus pointu au bout. Et donc quand vous l'appliquez, ça a vraiment une texture crème. Donc là, je vais vous montrer ici l'application du rose. Vraiment, ça a une texture très crémeuse, c'est très agréable à porter. En plus, celui-ci a une odeur légèrement vanillée, pas trop fort, donc vraiment juste ce qu'il faut. Et ce qu'il y a surtout de très bien, c'est que ça tient super bien. Donc moi je sais que je me mange les lèvres, ça, voilà, je passe souvent la langue sur les lèvres et tout ça. Donc au bout d'une heure j'ai plus de rouge à lèvres. Ceux-là ils tiennent vachement bien. Et même j'ai un exemple à vous donner. Pour vous dire, des fois j'ai la flemme parce que j'ai oublié de mettre mon baume à lèvres la nuit, enfin avant d'aller me coucher. Donc je vais dans la salle de bain et je me mets ça. Et le lendemain matin je me réveille, j'en ai encore. Donc c'est vraiment pour dire que ça tient très très bien. Donc vous pouvez constater que sa couleur est très naturelle, elle est tout à fait portable tous les jours, la journée, même le soir, c'est un joli rose, il va avec tout, vraiment il est très très bien. Et là donc je vais vous montrer comment je pose donc celui-ci. Là vous allez voir, ça a une couleur beaucoup plus soutenue, donc en fait c'est celui que je porte là. Et donc je l'aime bien aussi, il est un peu rouge mais qui tire vers le rose. Et j'ai fait le test du combo, donc j'avais celui-là, j'ai mis celui-là par-dessus, ça fait encore une couleur encore plus belle. Donc encore un rose qui tire presque vers le fuchsia, enfin voilà, c'est vraiment mes coups de cœur. Par contre niveau prix, je sais plus si c'est 7 ou 9 euros, ça reste tout de même un budget, mais je pense que ça les vaut, vraiment ça les vaut. Donc si vous avez envie de vous acheter un rouge à lèvres qui en même temps fait baume, qui tient bien, qui sent bon, qui a une très belle couleur, je vous conseille donc ces deux-là de chez Rimmel. Donc prochain produit, c'est un anti-cerne et illuminateur de chez Rimmel, toujours. Donc c'est celui-ci, c'est le Match Perfection. Donc pareil, je vais vous montrer comment je l'applique. Alors c'est un pinceau, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez juste à presser dessus pour que le produit sorte. Donc il sort en assez grosse quantité, donc vous pouvez presque faire vos deux yeux avec. Donc moi en ce moment je l'applique comme ça se fait beaucoup en triangle. Et ensuite vous avez tout simplement besoin, alors soit vous pouvez l'estomper avec le doigt, mais moi je l'utilise avec un beauty blender qui n'est pas le vrai. C'est un faux que j'ai acheté chez DMA, je sais plus, pas cher du tout, 1 euro, un truc comme ça. Et il marche aussi bien que le vrai. Donc voilà, il est très très bien et je l'applique avec ça. J'en mets également donc autour du nez, sur le front, après sur les petits boutons, etc. Et j'estompe ça au Beauty Blender. Voilà, donc il est très très bien, vraiment gros coup de cœur pour cet été. Enfin, je vais passer au dernier produit et non des moindres, puisqu'il s'agit du blush de chez Guerlain. Donc c'est un duo de blush. Voilà à quoi il ressemble. Donc vous avez un fard plus foncé et un fard clair irisé. Donc ça s'appelle Roseau Joue Duo de Blush Peach Boy, c'est la couleur 01. Donc vous avez un petit pinceau qui est fourni avec. Moi je ne l'utilise pas, mais pour dépanner ça peut être très sympa. Donc je vais vous montrer premièrement l'application du premier blush, donc qui est plutôt
claire, mais sur une peau claire ça ressort, une peau claire comme la mienne ça ressort quand même très très bien, et il est beaucoup plus irisé, beaucoup plus pailleté que le suivant. Donc si vous voulez quelque chose de lumineux, de frais, de léger, voilà, vous pouvez opter pour le premier. Et maintenant vous allez voir que le deuxième est beaucoup plus soutenu, beaucoup plus foncé. Donc pareil, c'est celui que je porte. Donc à la caméra il va peut-être vous paraître fade, mais je vous assure qu'en vrai il est assez punchy. La couleur est vraiment pétante, vraiment c'est quelque chose de très très sympa. Donc pareil, gros coup de cœur pour cet été. Alors là par contre c'est du Guerlain, donc on tape dans les, je crois, 43 ou 46 euros le duo. Oui, je sais, c'est très cher, mais moi ça a été mon cadeau pour ma fête des mères. Donc voilà, ça pour moi c'est sublime. Et en plus, ce que je vous ai pas dit, mais c'est que ça sent mais merveilleusement bon. C'est du parfum quoi. Vous avez du parfum, le packaging est super beau, le miroir, enfin voilà tout. Et bien voilà, donc j'en ai déjà fini avec mes favoris pour cet été. J'en avais pas énormément, mais c'est vraiment de gros coups de cœur pour ma part. Donc c'est le genre de produit que je vais utiliser tous les jours. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi si vous avez aimé ce genre de vidéo, que vous en voulez plus sur ma chaîne, je vous en ferai avec plaisir. Et puis si jamais vous connaissez déjà ces produits ou que vous avez envie de les découvrir, dites-le moi également dans la barre d'infos. N'oubliez pas comme d'habitude de mettre un pouce bleu, de mettre un petit commentaire, de partager cette vidéo et surtout de vous abonner si c'est pas fait, bande de petits coquins. Voilà, et d'ailleurs j'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés car on est déjà 16 000, c'est énorme, c'est un truc de fou quoi. Donc voilà, ça me motive et je vais vous faire encore plein de vidéos, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais je vous dis à très bientôt pour